Mekdoul Louardi. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur. Très bien. Vous voulez signer la déclaration? Oui, monsieur le juge. Merci. Oui. Gwergat Boudjima. Présent, monsieur le juge. Approchez, approchez. Vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Très bien. Signez la déclaration. Oui, monsieur le juge. Cette cérémonie a lieu tous les mercredis. Au camp militaire de Rivesaltes, près de Perpignan, nous avons vu les harkis rapatriés d'Algérie faire leur premier pas dans la vie métropolitaine. C'est long, deux signatures. Parfois, monsieur le juge s'impatiente un peu. Vous l'avez vu. Voici le récépissé de la déclaration que vous venez de souscrire. Merci, monsieur le juge. Dès que votre femme est là. Elle est là. Ah, approchez, madame. Gwergat et Boudjima. Présent, monsieur le juge. Approchez. Vous désirez garder la nationalité française, madame? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, tenez, je vais vous délivrer le récépissé de la déclaration que vous savez signer. Hein? Vous savez signer? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Non, je ne sais pas. Bon, ça ne fait rien. Voici le récépissé de la déclaration, madame. Voilà. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Je vous remercie. Vous pouvez partir. Aoucha! C'est fini. L'armée, oui. C'est fini, c'est fini. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme? Voulez-vous lui... Oui, monsieur le juge. Alors, ça y est, vous êtes... Je suis français. Vous êtes français. Oui. Votre femme aussi? Moi et ma femme. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, pas du tout. Plus du tout? Non, je sens bien que je suis français pour le moment. Et vous pensez que vous ne regretterez jamais l'Algérie? Jamais. C'est votre pays natal, pourtant. Oui. J'en avais marre, j'en avais jusqu'ici, l'Algérie. Alors maintenant, je pense plus à l'Algérie.